Ya ya ya! C'est la Team S3! Et aujourd'hui, on joue avec un ballon en alu! Yo la S3 Family, j'espère que vous allez tous bien! Vous l'avez lu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature aujourd'hui, chers amis, on va jouer avec un ballon en aluminium! Let's go! Comme d'habitude, hein, vous savez très bien, ce sera sur 3 défis, mais sauf aujourd'hui, je participe! Ah bon? On perd pas plus de temps, chers amis, on passe au premier défi! Bien ou quoi la mille, c'est votre poteau Trafi. Alors pour l'exercice 1, ça va être très très simple. On va devoir réaliser un maximum de gestes en 1 minute. Et c'est bien évidemment celui qui arrive à réaliser le plus de gestes dans ces 1 minute qui remportera ce défi. Ok la famille, on commence avec le premier, JMK. Va-t-il être à la hauteur? Tu te sens chaud? Du coup, c'est quoi ta plus? Ah, commence là. C'est le plus. Là, de gestes techniques. En une minute. En une minute. Okay. En le plus une de minute. Gestes. C'est pas grave, c'est ballon du tournoi. Ouais, ça j'ai compris. Mais du coup, geste freestyle ou geste football? Freestyle. Ça veut dire que ça, c'est un geste, hein, les gars. Ouais, si tu veux. Allez. Mais ça fait un, ça fait pas un, deux. Ah, là, il est con. C'est lui qui peut plus de gagné. Oui, logique. Voilà. J'ai envie d'apprendre cette danse. Je veux pas la faire maintenant, j'ai pas envie de m'afficher. 3, 2, 1. Allez, 5, 10, 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
Une minute. Oh, allez, oh. Allez, c'est bon, c'est fini. Ouais. Bien joué. Oh, oh là là. JMK contre tout attente, il nous a tué. Il nous a eu. Bravo JMK. Le non freestyler nous a prouvé que. Mais non, gestes... on a plus le droit de dire non freestyler. C'est un freestyler, JMK. Ouais, mais à la base. À la base, ouais. Il nous a prouvé que la puissance du technicien footballeur était aussi capable de répondre à des freestylers. Bravo. C'est vrai. Mais moi, pour moi, t'es un freestyler quand même. Ouais, t'as pas le plus de gestes quand même. Allez, voilà. Allez, cool. Défi numéro 2, let's go. Pour le deuxième exercice, je pense que vous l'avez compris, hein. Un ballon, une poubelle. Le premier qui réussit à la mettre remporte ce défi. Voilà, défi numéro 2, toujours avec notre fameux ballon en aluminium qui sera bientôt disponible sur le shop qu'on n'a pas encore créé. Là, on va devoir réussir à mettre ça dans la poubelle. Le premier qui réussit, il a gagné. Là, il n'y a pas de le premier arrivé. Le premier qui réussit, il a gagné parce que franchement, ça va être chaud. Ok les gars, défi numéro 2. Là, on va pas passer par quatre chemins. Il n'y a pas de premier arrivé à 3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier qui l'a mis, il a gagné. Ça ah va ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oh, comme ça, c'est fini. C'est tu fini. Mets, c'est fini. Ah ouais, okay. Terminé, ça va. Ouais. Chaud. Bonne chance à tous. Allez les gars. Tu commences. Ah le bâtard. Ok, je commence. Je précise que si je la mets, ils ont un droit de réponse. D'accord, mais un seul. Donc bel et carré si je l'avais du premier coup. Vous êtes prêts les gars? Je l'avais du premier coup là. Oh du jeu là. Bon vous êtes prêts à répondre après parce ouais, que... on est prêts, on sait que tu vas pas la mettre. Ah, commence pas le cinéma. Ah, bien joué. Dédicace à Moss, jamais lâcher l'affaire. Wow, ça va être chaud. Bon allez, Yas, je sais que t'as autre chose à faire après, donc on va terminer cette vidéo rapidement. Toujours la même introduction, le truc, la passe. Ah bon, tout la YouTube, si je la mets pas, je suis pas ivoirien. Elle est pas de Côte d'Ivoire. C'est parti. La balle rétrécie à force comptable dedans, va falloir finir vite. Introduction. Geste, passe. Ça manquait juste de puissance. Regardez seulement. Allez, tiens, tiens. Redis ce que tu vas dire. Allez, j'ai dit si JMK gagne ce défi, sachant qu'il a gagné avant et qu'après il arrête le penalty, je refais plus jamais de vidéo. Ok. Ouais. Ok. Ouais, on n'a pas dit la phrase. Ne jamais abandonner et croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Croire en tes rêves là-bas. Vraiment. T'es obligé de remporter celui-là, sinon c'est chaud pour WAM. Hier c'était pas Traf tout à l'heure, c'est un autre mec qui me ressemblait de ouf. Et là c'est moi là, c'est Traf là, je suis venu exaucer ton souhait. Ouais. Ah oh, ouais ça fait trop mal. J'ai juré ça fait trop mal. Comme vous pouvez le constater, en vrai, à force de la taper, elle s'est durcie. Donc du coup là, ça fait archi mal quand on tire. Mais je pense qu'on va y arriver. On croit en nos rêves. On l'a jamais la fait. C'est parti. Un défi que je gagne, ça fait plaisir. Les trickshots, c'est un peu mon dada en ce moment. J'essaie d'en faire régulièrement. En vrai, de vrai, si Andreas n'avait pas gagné ce défi, on aurait piqué tous. Non, j'aurais remis en question tout ton compte Instagram. J'aurais dit, mais pourquoi tu fais ça si c'est pour perdre? Allez, on passe à la suite, les gars. On passe à la suite. Bravo. Troisième défi. Pour le troisième et dernier défi, ça va être un peu technique, alors écoutez bien. C'est tout simplement une séance de pénalty, un but marqué égale un point mis, et concernant JMK, un but arrêté égale un point pour lui. Celui qui remporte le plus de points remporte ce défi. Voilà, là on va faire des pénaltys. J'ai gagné le premier défi, je voulais montrer aux gardiens que voilà, les gardiens on est techniques, hein, voilà, donc les gardiens, un message pour vous, lâchez-vous. Prenez pas la tête, dribbler, voilà, on montre aux joueurs que voilà, on est aussi technique. Et du coup là les pénaltys,
J'en ai arrêté 2-3 et puis je rentre à la maison, hein, parce que je commence à avoir faim. Bonne force aussi à tous les musulmans qui font le ramadan. C'est bon les gars, vous êtes prêts? Yes! Ah oh, j'ai raté! J'ai voulu tenter voilà, une petite louche parce que franchement, on a vu tout à l'heure que ça faisait mal de tirer. Mais bon, ça fait un point pour GMK. 1, 2, 3. Non, crossbar, elle était bien tirée là. C'est mieux tu cadres fort. J'arrête. Hey, j'ai eu de la chance, mais de la chance de ouf là. Le public. Team goalkeeper. Il y a eu beaucoup de chance. C'est moi qui ai manqué de réussite. Donc est-il meilleur que moi? C'est la question. Répondez en commentaire. D'ailleurs, ce ballon en aluminium, je vous le fais gagner en commentaire. Donnez-moi le pronostic du match PSG Manchester City. Et je vous fais gagner ce ballon incroyable que je dédicacerai à S3 à celui qui donnera la bonne réponse. Félicitations à JMK pour avoir remporté ce challenge. Vos impressions, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné? Alors franchement, je remercie toute ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu pour m'avoir donné autant de force. Et ça fait vraiment plaisir de gagner au moins une fois une étape avec la Team S3. Je suis très heureux et comme on dit, croyez en vos rêves et lâchez pas. Merci. Vous pourrez signer le ballon, on va le faire gagner en fait à un abonné. Okay. Voilà, donc vous donnez le pronostic du match retour PSG City en commentaire si vous avez le bon. On vous fait gagner un magnifique ballon d'une valeur incroyable. Qu'il n'est même pas disponible en magasin, il n'y a qu'un exemplaire dans le monde. Voilà. Encore une fois, on applaudit JMK pour sa victoire. Merci. On applaudit Yas qui est derrière la caméra. Et d'ici là, la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Mais surtout, abonnez-vous. Merci à la zone.